Et genre on retourne sur Potioncraft. Et on finit de rattraper les recettes que j'avais pas enregistrées et qui me bloquent. Je pense qu'on a le temps de faire ça en vrai. Si ça vous va, évidemment. On refait les popos qui manquent. Voilà. Passons sur un petit Potioncraft tout zen. Tout détendu. Évidemment, on va mettre de la musique adéquate. Je remets évidemment la commande, point d'exclamation potion. Partons sur du Potioncraft. Alors visiblement la playlist que j'avais trouvée hier était pas mal, mais j'ai l'impression que c'est un peu répétitif. Mais en tout cas, ça s'est pas fait strike. C'était quoi que j'avais mis? Relax, médiéval, quelque chose. On va mettre ça, par exemple. C'est un chouïa fort, non? C'est que l'intro, donc ça risque de partir vite. Ok, donc ça c'est bon. Je lance le jeu. Et par la scène. Ah merde, j'avais quitté ce truc-là. Captain, we are being hosted. Et merci beaucoup, Gribouille. Merci pour le raid. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue sur une fin de live chill sur le délicieux Potioncraft. On avait joué un petit peu hier et on va continuer un petit peu maintenant de la musique médiévale des temps. On va reprendre la game. Ah là là, une soirée sous le signe des tentacules. Des tentacules, exactement. Alors, du coup, regarde mon livre de recettes, Gribouille. Il est beau, hein. Ça marche pas. Ouais, et ben c'était le bordel la dernière fois, et là on vient de tout ranger. On vient de tout ranger, et on va essayer de faire assez rapidement. Les trucs qui nous manquaient. Ouais, donc voilà, faut que je refasse de l'œuvre jaune. Et il me manque tout ça. Il faut les refaire. Donc on va faire ça immédiatement. On va commencer par le soleil. Alors déjà, on peut récupérer les ingrédients du jour, évidemment. Hop! Donc, augmenter les trucs là, comme ça, parfait. Donc il faut du triple soleil double récolte, c'est ça, je crois. Hein. Bisous, Zoubida, pardon, Gribouille. Merci encore pour le raid. Merci encore pour le raid. Et n'hésitez pas à discuter dans le chat, on est aussi là pour échanger. Hop. Quand t'as 5 minutes, t'auras un truc drôle en DM, pas de suite, t'inquiète, ça urge pas. Ok. Ça marche. Bon, du coup, on n'a pas trop eu l'occasion de discuter. C'est vrai que quand je joue à Don't Starve, en général, je suis concentrée. Et puis, comme il y a des gens qui parlent en même temps, j'ai un peu du mal des fois à bien tenir des conversations. Comment ça va tout le monde? Tu as bien dormi, Gaston? J'essaie de trouver le moyen le moins pire. Hein. Comme ça. Hop. Ensuite. C'est sa bite. Bah, bravo. Bah super.
Ça va que t'es modo, hein. Tu peux utiliser le mot bit. C'est autorisé. J'envoie pas de nude, moi. Bien, tant mieux. C'est vraiment pas incroyable, les gens qui envoient des nudes, en tout cas quand c'est pas demandé. Donc je te suis fort aise. Je vais faire de la merde avec ma potion, moi. Déçu. Ah, Wenro était intéressé, visiblement. Vous savez, entre associés, vous avez le droit d'avoir une relation extra-professionnelle. Hein. Faut juste que ça n'interfère pas avec le bon fonctionnement de la société. Mais ce n'est pas du tout du don serve, ça dit Alpharius. Bah non, on vient de finir, il est 23h, mamie Gribouille, elle va se coucher à 23h. Du coup, je vais fixer un petit objectif là pour ce soir, je pense que j'ai le temps de le faire. Potion craft, une petite heure de potion craft, je pense, avant d'aller dodo. Comment ça va, Alpha? On a le droit de s'envoyer des nudes avec la potion pour cacher les parties sexuelles. Comment ça? Je peux pas enregistrer. Merde! Ah oui, mais je me rappelle, il fallait que je fasse une journée avec Gandalf. Mais je l'ai déjà, cette potion, en fait. Bravo! Ah oui, mais je sais. Ok, donc je l'ai déjà, cette potion, incroyable. Ouh, tête dans le huc. La tête dans le huc, la tête dans le huc. Donc c'est l'œuvre jaune. Excusez-moi. Tout ceci est mal rangé. Mais je l'avais vu en plus sur la VOD qu'il y avait une recette que j'avais pas captée. Ok, donc ça, celle-là, c'est bon. Juste fait chier. Très bien. Attendez. Ça se met là. Tout à fait. Enfin, parfois, j'envoie des nudes, mais c'est des gens que je connais pas sur la photo. Mais non, mais faut pas faire ça. Pas bien. T'auras 5 minutes, t'arrives là, je t'ai envoyé un nude d'un pied. Va te coucher. Va te coucher. Hâte de vous revoir. Ah, bientôt, bientôt. On espère. Putain. Bon, attendez, Gribouille qui m'envoie un nude de pied. Voilà, incroyable. Oh. Quoi? Et en sale état la Porsche que tu veux acheter, Gaston. Donc il faut que je fasse une journée parce qu'il me faut Gandalf. Il me faut du papier. C'est pas du tout Gandalf ça. Merde. Les feet pics. Je l'ai vraiment fait. Oui, elle l'a vraiment fait. Hein. Je veux voir ça. Est-ce que je peux montrer en stream? Parce que bon, moi personnellement, j'aimerais pas qu'on monte mes pieds en stream, je pense. Donc. Send nudes to Gandalf. Si tu veux, je m'en fous. Bon, écoutez. Je pense que, à la demande générale... Pourquoi j'ouvre cette photo sur mon PC? Bon, vous êtes prêts? Non, ça marche pas. Oh, cet échec de zoom. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, mais c'est normal que ça marche pas. Attendez. Elle est cassée, cette scène. Attendez, allô? Voilà. Ah mais du coup, il y a mon siège qui cache. Genre, je peux lui faire des ghillie. Attends. C'est pas facile. Voilà, ghillie. Voilà, ghillie, ghillie. Ghillie, ghillie. Bon... Vous me dissipez, messieurs, dames. Des pieds de gribouille. Ils sont très jolis. Je sais pas si on avait vraiment envie de voir ça. Non, gribouille, ça vaut 150 balles sur OnlyFans. T'inquiète, t'as réalisé juste un peu de polish, dit le 9 et ça repart pour 100 000 km. Non, mais l'état du machin, au secours. Lèche-moi mon pied. La perspective, c'est dur. Oui, oui, je confirme. J'ai fait une manicure fleur ponce. Oh, la fangirl.
Ça vient de Russie aussi, c'est normal. Aïe aïe oui. Mais effectivement, tu pourrais te faire du blé, hein. Avec tes photos de pieds. Oh, putain! Et voilà. Ribouille est dans le chat. Je ne sais plus, Nego. Allez, bonne nuit, Zoubida. Zoubida. Et bonsoir, Space Gigi. Bienvenue parmi nous et merci encore pour ton follow. 840 pièces d'or, la potion, ça fait plaisir. Il a un peu frotté le mur avec le toit de la voiture, mais au calme, c'est un détail. Ouais. Non. C'est pas un détail, non. Tiens. J'ai vu que t'étais arrivé pendant le Don't Starve Together. J'imagine que tu... Merde. Tu espérais donc en voir un peu plus. On fait des très courtes sessions, 21h-23h le mardi. Et maintenant on est sur du Potion Craft un petit peu. Voilà. Et là j'aimerais bien qu'un certain marchand pop dans mon échoppe. Et ce n'est pas le cas. Même le carottier te le fait gratos. Le carottier te le fait gratos en speed. C'est l'histoire d'un mec. Ah, tu vois, hein, elle est toujours là, ta potion Alpharius. Donc oui, hein, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui sont abonnés, ça marche rétroactivement. Point exclamation potion. Si vous vous abonnez, vous aurez le droit de donner votre patte, un graphisme à une potion du jeu. Voilà, donc voici des exemples de nos actionnaires, hein, donc il y a eu Boulgour, PA, Wenro qui est dans le chat, des slippers qui est en lurk, Artorius qui est pas très loin je crois, Alpharius dans le chat, et on a donc tout ceci qui est disponible pour les gens qui sont intéressés. Tout est résumé dans le point d'exclamation, la commande point d'exclamation potion. Alors Madame Plante, hein, oui Madame Plante, Bon, de toute façon on a trop d'argent maintenant donc let's go tout acheter, voilà. Avec une réduction, négociation de 50%. C'est la carte fidélité, hein, parce que nous sommes en partenariat depuis de nombreuses années avec, avec les Golasset. C'est un de mes fournisseurs officiels. C'est pas grave si c'est fini dans Starf, comme ça je découvre un peu Potion Craft. Je connais pas du tout. Ok, bah écoute, si t'as des questions, n'hésite pas. Là, je suis dans une partie qui est assez avancée, donc... Enfin voilà, pour une partie un peu plus tuto, enfin je peux essayer d'expliquer si tu veux, mais... C'est vrai que là je suis partie sur un truc un peu spécifique, un peu late game. Et la tienne, oui Gaston. Gaston a également sa potion. Gaston's Deadly Gaze. Je ne vous ai pas oublié, mon cher Gaston. Elle a la migraine, elle dort plus depuis 3 jours, et on va lui faire un Tarilpran. C'est ma potion, voilà. Il faut pas négocier. Ça fait... Attendez, on va tester un truc. Ça fait quoi si je... Ah ouais, ça coûte... Ah ouais, donc du coup, c'est d'office... Ah mais c'est cool. C'est cool, elle a payé moins cher sa potion de santé. Semi-présent, mais toujours là pour les thunes. Merci, cher Artorius. Merci pour votre implication. Pour votre implication. Donne-lui du poison, elle dormira définitivement. LOL. Si je fais ça, je gagne pas d'argent. Voilà, et c'est un peu triste de pas gagner d'argent. Vous allez me dire, ouais, les dividendes, etc. Comment tu rends l'argent aux abonnés, Tarila? La moulaga. Oui, un soin, tout à fait, monsieur. Nous avons une fée placebo de notre cher associé Wenro. C'est Tipar... mon kiki. Ça marche pas en verlan. C'est parti, mon kiki, du coup. La moulaga, elle est là, regardez. Tous ces torts là-haut. Incroyable. Tout ça, c'est à nous. Notre bande prépare... Invincible. Invincible ou invisible? Invincible. Bah, de la peau de pierre. Donc voilà, donc le principe, c'est qu'il faut créer des potions et que...
il faut se débrouiller pour... Il faut se débrouiller pour leur donner des effets. Et ensuite, pour éviter de refaire les potions à chaque fois, en fait, on enregistre ça dans un livre de recettes. Attends, mais putain! Pareil que Gribouille, elle a encore en lurk qui part sur le stream, elle m'envoie sa poisse. Voilà. Et donc, du coup, il faut vendre des potions aux gens, tu peux négocier, il y a des gens qu'il ne faut pas servir parce qu'ils t'apportent une mauvaise réputation. Il y a des gens qu'il faut servir parce que, bah, de toute façon, globalement, l'argent, c'est cool, hein, voilà, donc il faut vendre des potions. Et donc, du coup, tu te fais de la thune, t'achètes des ingrédients, et au fur et à mesure, tu apprends de plus en plus d'effets. Donc ça, c'est la carte du jeu, sur laquelle se déplace ta petite potion, là, qui est au milieu. Et en gros, grâce aux ingrédients que tu rajoutes dans ta marmite, tu vois, à chaque fois que je passe ma souris sur un ingrédient, ça fait un petit trajet, ça permet de faire déplacer la potion. Sur certaines zones qui sont intéressantes. Par exemple, si je mets ma potion là-dessus, je pourrais mettre un effet poison. Et il se trouve qu'il y a une sorte de quête un peu principale où, en fait, dans ton atelier, t'as une machine alchimique à réparer. Oh, jure ! Merci beaucoup, Guizé, pour le raid. Bienvenue ! We are being hosted. Merci beaucoup Guizidé, bonsoir à tous, jure. Et donc le but c'est déjà de racheter toutes les pièces de la machine parce que ça coûte cher, il y a des recettes aussi à acheter. La bise, t'étais sur... Tu faisais quoi en stream Guizé? Et donc après il y a des recettes et le but c'est de créer la pierre philosophale qui se trouve là. Et donc du coup il faut faire plein de potions avec plein de combinaisons vraiment très sympathiques. Et le jeu, en fait, il est en accès anticipé en ce moment. Donc, il coûte pas très cher. Tu peux le trouver, je crois, à 5 euros sur... C'est sur quoi tu l'avais acheté, Gaston, le jeu? Et en gros, ils vont ajouter des éléments de gameplay au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que pour l'instant, si on veut être très honnête, j'ai un peu fait le tour du jeu pour l'instant. C'est-à-dire sur les mécaniques, etc., je pense que je vais plus rien apprendre de particulier. Mais j'ai quand même encore un objectif qui est... de créer la pierre philosophale parce que je ne l'ai encore jamais fait. Et en fait, pour faire une pierre philosophale, il te faut une œuvre rouge. Pour faire une œuvre rouge, il te faut une œuvre jaune. Pour faire une œuvre jaune, il faut une œuvre blanche. Et pour faire un œuvre blanc, il faut faire un œuvre noir. Donc il se trouve que je suis bloquée à cette étape-là pour l'instant. Parce qu'il y a certaines recettes que je n'ai pas enregistrées dans mon livre. Hein, parce qu'il me manquait des emplacements, parce que tu peux pas enregistrer un nombre de recettes illimité, c'est-à-dire que tu achètes des pages, ça coûte de l'argent. Et du coup, là, j'aimerais bien avoir des pages pour pouvoir refaire les recettes qui me manquent une bonne fois pour toutes. Comme ça, dès que j'aurais besoin de refaire les œuvres, enfin les trucs que tu vois là, et ben, j'aurais plus qu'à aller dans mon bouquin, choisir les recettes et faire clic, 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 et ça va être incroyable. Voilà. On a découvert Carto. Ah, je connais pas. L'œuvre jaune, c'est du Ricard. Ça a l'air sympa comme jeu, je verrai le mois pro pour le prendre du coup. Ouais, en plus profitant parce qu'il est pas cher, parce que accès anticipé, c'est très chill. J'ai pas eu de bug en vrai. Je pense qu'il y a des petits problèmes des fois de comportement, genre certains marchands des fois ils spawnent pas très régulièrement. Je sais pas si c'est volontaire, si c'est un petit problème d'équilibrage à ce niveau. Mais le jeu est en constante évolution. Donc en ce moment, j'y joue pas mal parce que bah, il est sorti récemment, que j'ai pas encore atteint les objectifs que je m'étais fixé. Et je pense que quand j'aurai fait le tour de ce qui est possible de faire sur cette version-là du jeu, je pense que je l'arrêterai, j'attendrai qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, et etc. 4,20€ sur Instant Gaming, voilà. Alors à voir si c'est pas de l'argent sale derrière, hein, donc à vous de voir comment vous voulez dépenser votre argent. Et il me semble sur Steam, j'ai dû payer genre... 12 euros. Un truc comme ça. Voilà. Et moi j'aime beaucoup. Je le trouve très sympathique. Et donc du coup là je suis un peu kéblo. Enfin dans l'absolu je pourrais avancer mais j'ai pas envie de créer des potions pour rien. J'ai envie de les enregistrer. J'attends un certain marchand parce qu'il y a un seul marchand qui vend des pages donc c'est un peu compliqué. Mais on a plein de thunes. Nous sommes dans l'opulence la plus totale. Donc aucune panique pour l'instant. Je suis mage de combat, il existe diverses potions très utiles pour restaurer mon mana après une bataille. Oui, potion de mana, tout à fait, monsieur. Eh bien, je vais vous en faire une comme ça. Voilà. Et donc, du coup, tu peux décider de soit vendre ta potion directement,
Auquel cas, tu gagneras beaucoup de réputation et de l'argent. Ou tu peux décider de la vendre plus cher grâce au système de négociation suivant. Soit, mais si tu fais ça, tu gagnes un petit peu moins de réputation à chaque fois. Alors la réputation, ça vient juste qualifier quel type de clients viennent dans ta boutique. Des gentils ou des méchants. En général, les méchants, ils payent plus, mais ils font baisser ta réputation de ouf. Voilà. Et du coup, si tu décides de pas négocier, bah t'as la popularité de ton magasin, par contre, différent de la réputation, monte plus vite et ça te donne des avantages. Là, par exemple, je suis au niveau de popularité 11. Les potions coûtent 40% plus cher. Les marchands ont plus d'ingrédients. Il y a plus de remises, en gros. Je me fais plus de marge. Par contre, dès que je refuse des clients, parce que tu peux, hein, comme dans n'importe quel jeu. Ah bah voilà, il est là, Gandalf. Merci! Voilà, 9 pages, ça ira très bien. Gandalf est là. Gandalf est dans la place. T'as eu. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, du coup, il y a des gens qui arrivent ad vitam aeternam, mais on s'en fout, on peut aller vaquer à nos occupations. J'ai pas beaucoup de temps ce soir, donc j'aimerais bien avancer. J'aimerais bien avancer. Donc on a récupéré tout ça là en page de recettes. On peut venir les classer comme on veut. Alors, c'est ça qui est cool avec ce jeu en vrai. Tu peux venir customiser ton bouquin de recettes comme tu veux, lui donner un petit côté genre fouillis. Très 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 sympathique. Et notamment, tu peux donner aussi des formes particulières, des icônes particulières à tes potions, des couleurs particulières. Et du coup, c'est sur ce concept-là que je base votre interaction à base de si vous subez ou êtes sub, vous avez le droit de donner, de créer une potion. Voilà. Tout simplement. Donc, nous récapitulons. Nous avons envie de faire ça, ça et ça. On peut faire triple mana ici, poison-feu. Alors, je vais prendre mon livre de recettes. Je vais sélectionner une potion de mana de mon choix, celle-ci. Et là, je vais faire concocter à partir d'ici. Donc là, je me fais TP à l'endroit où c'est terminé ma recette. Et maintenant, il va falloir que je fasse déplacer ma potion sur le poison et sur le feu. Il y a une notion de plus ta potion elle est bien alignée avec le symbole, plus elle va être puissante et plus elle va être vendable cher. Et tu peux avoir jusqu'à 5 effets sur une potion. Ça se override. Par exemple, là, si je passais, je sais pas, mettons, je vais sur le soleil et que je l'aligne ultra bien pour obtenir un effet de niveau 3, et bah, comme il n'y a pas la place, je vais choper les 3 soleils. Par contre, je vais perdre un mana. Voilà. Il faut juste avoir cette mécanique-là en tête pour pouvoir voilà, faire les meilleurs choix. Parce que oui, il y a une notion de arriver à optimiser quels ingrédients tu mets dans ta marmite. Alors là, je suis en train de mettre de l'eau. L'eau, ça permet de revenir au centre de la map. Et c'est assez cool. Hein. C'est illimité, c'est gratuit. C'est trop bien. Grâce à la cuillère, je peux me déplacer. Donc là, j'avais un petit chemin qui était en train d'être. Qui n'était pas fini d'être parcouru. Donc ça m'a permis d'aller dessus. Là, je vais essayer de chercher les bons ingrédients pour aller ici. Alors, sans trop tryhard, hein, parce que j'ai besoin d'avoir seulement du niveau 1 pour le coup. J'essaie de trouver l'ingrédient adéquat. Ingrédient adéquat, ingrédient adéquat. Pire, on s'en fout, on va comme ça. On y va à l'ancienne. Voilà, donc avec le pilon, je malaxe. Et ça permet de faire progresser le chemin. C'est-à-dire que là, sans être malaxé, je vais jusqu'à la petite croix qu'on voit au milieu. Mais par contre, si je prends mon pilon, j'écrase la plante, la croix se déplace jusqu'à arriver au mortier. Et donc le trajet maximal. Donc là, ma potion va arriver au contact de la zone. Pouf, il y a un petit 1 qui apparaît. Parce que je suis en contact, mais pas de ouf, tu vois. Et là, je vais me servir du soufflet. Et le soufflet, ça va venir ajouter l'effet à ma potion. Maintenant, c'est une potion forte de mana et de poison. C'était bien ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Maintenant, on va aller sur le feu. Il faut trouver, pareil, un moyen d'aller sur la case du feu en essayant d'être, si possible, optimisé dans ses déplacements. C'est un jeu vraiment sympathique.
On a également sur le chemin des petits bouquins qui sont en fait de l'expérience. Donc si en plus de ça, t'arrives à passer sur les petits bouquins, tu les ramasses et c'est déjà bien. Le malaxage du pilonnage, ce doux son, oh! ASMR pilon. C'est gratuit. C'est moi qui régale. Hop, on récupère pas mal d'expérience sur le chemin, ça fait plaisir. On chope le feu. Je peux enregistrer ma recette. Elle est venue donc se mettre ici. Je l'ai créée pour faire l'œuvre au jaune. Donc je vais le noter sur l'étiquette pour éviter d'avoir à chercher ma potion pendant une demi-heure. Mana, poison, feu. Bah, c'est un truc de magie. Je sais pas, moi. J'essaie de trouver un symbole qui permettrait de retrouver facilement, mais je trouve jamais, parce que c'est trop compliqué, en fait. Au bout d'un moment, quand t'as des triples effets, des fois même des quintuples effets, enfin, c'est la galère. Voilà, moi, je sais pas, on va mettre ça, j'en sais rien. Voilà. Mettons ça. Très bien. On peut malaxer... Non, ok. Je voulais voir si je pouvais atteindre le petit bouquin. Voilà, donc là, j'ai fait terminer la potion. Ma potion est maintenant dans mon inventaire. Et je vais pouvoir la mettre dans cette éprouvette en forme de tub. Ensuite, il va falloir faire, par exemple, triple rebond et double furie. C'est où déjà? Rebond c'est là. Furie c'est là-bas. Bah yes. Ok. Ok ok. Est-ce que ce serait plus simple de partir sur un triple furie et faire un triple rebond? Qu'est-ce qui me coûte le moins cher en termes d'ingrédients actuellement? Ah oui, donc cette potion est réservée pour la personne qui a été le 400e follower sur la chaîne. Voilà, il faut le savoir. En vrai, je vais quand même partir sur Fury, même si ça me coûte plus d'ingrédients, parce que je trouve ça très compliqué de faire... Enfin, ok. Voilà, je suis en mode full optimisation, hein, c'est pas... Je me prends un peu à tête pour rien. Je trouve qu'il y a des directions qui sont beaucoup plus simples à faire emprunter à notre potion que d'autres. Après, ça reste un avis personnel. Je trouve que ça se vérifie pas mal dans l'ensemble. Voilà, voilà. Oui, il faut que je fasse attention aux zones qui sont là, parce qu'elles peuvent détruire ma potion si je m'approche trop longtemps. Donc il faut un petit peu anticiper son trajet. Ça passe ou pas? Faut que je mette de l'eau. Non, c'est raté. Dommage. Eh ben on va faire dans l'autre sens, vous savez quoi? Je pense qu'il valait mieux faire comme ça. Je vais pas aller du bon côté. Chiant. Je l'ai mal terminé sa potion. Pas grave. C'est pas grave. On va pouvoir repartir du bon pied. On peut déjà faire ça. Choper l'expérience qu'il y a là. Utiliser ceci. On passe par en haut, hein. Je pense. Par en haut ou par en bas? Par en bas. Préviens avant d'arrêter par contre. D'arrêter quoi? Le live? En bas avec l'eau. Quoi? Ah oui, en bas comme ça. Oui, pardon, j'ai compris. Oui, 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 bien, bien vu, oui. My bad, oui, j'ai compris, ok. Bien vu. Ok, c'est bon.
Ok, très bien. Hop, on met de l'eau. C'est bien vu. On va essayer de repartir avec ça. Je pense que ça passe pas en vrai. On va tester. Yi! Yi! Ok, c'est bon. Incroyable. Bravo! Oui, bravo! C'est vraiment pas mal. ASMR pilon, évidemment. Oh, ça fera pas du niveau 3. Ça fera pas du niveau 3. Ma déception est grande. Bon, c'est pas grave, on va finir avec un dernier ingrédient qui sera... Champignon rouge, ça peut passer, mais j'ai un peu peur qu'on soit bas. Ouais, sinon je fais un truc un peu moche comme ça. Vous allez voir. Hop, la foudre, on n'en veut pas. Et là, on se dit, mais Tarila, mais tu vas envoyer ta potion dans le mur. Et non, l'eau est mon amie. Et c'est smooth. On enregistre. Donc c'est rebond furie. Encore une fois pour l'œuvre au jaune. Rebond furie. Bon. Comme ça, voilà. Je sais pas. Ne me demandez pas. Et ça se met là. Incroyable, bravo. Quoi? Ah, j'ai pas terminé la potion. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Ouh, incroyable. Allez, maintenant on va faire triple invisible et double gel, c'est ça? Donc voilà, c'est le principe du jeu. Je vais avoir envie de descendre. Faut utiliser l'eau, hein. Oui, pas de soucis, mais c'est juste qu'il y a quand même un petit passage chiant à gérer. Comment ça marche ce jeu? Ouais, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire un truc du style. C'est où le machin qui me fallait sur le côté? Pas ça. Il y a un champi qui peut m'aider. J'en ai plus? Ah non, c'est ça. Oui, ça marche si je fais comme ça, je pense. Je fais comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal du tout, même. Attendez, on va le malaxer. Là, on passe le petit âne droit. Et là, on va mettre full haut et puis. Y aller à droite. Oh, CPXR2, comment ça va? CP, pardon. Quoi de neuf? Il faut quoi? Il faut deux, hein. Bon, ça devrait le faire, ça. Non, il sera un peu bas. Il sera un peu bas, je pense. Un peu bas. Voilà, c'est très bien ça. On cuisine quoi ici? On fait des potions bizarres.
fait des potions bizarres, mais dans l'optique de pouvoir créer, ben voilà, hop, parfait, de pouvoir créer la pierre philosophale. Simplement. Des potions un petit peu bizarres, on vient les mettre ici. Je leur mets une étiquette. Non mais c'est pour l'œuvre jaune, hein. Depuis tout à l'heure je me gourre. Œuvre jaune, pardon. Voilà. Je note sur étiquette. Je cune évidemment, car je suis en QWERTY. Invisibilité et gel. Qu'est-ce qu'on va mettre comme image? Je sais pas moi. Comme ça, voilà. Du coup, on fait des potions un petit peu bizarres parce que c'est ce qui a inscrit sur notre parchemin afin de faire le petit cristal qu'il y a ici, qui nous permettra de faire le cristal qu'il y a là, qui nous permettra de créer la pierre philosophale incroyable. Elle est multicolore, elle est magnifique, elle est totalement... Voilà. Il y a le Covid dans les ingrédients, j'ai vu. Comment ça? Dans les icônes, tu veux dire? Dans les ingrédients, vraiment? Ah ça, genre? Ils sont moches un peu, hein. Enfin non, ils sont très jolis. Ils ont tous un charisme incroyable. Il y en a qui ont l'air... genre vraiment pas comestibles, en fait. Ouais, les icônes. Là-dedans, il y a le Covid. Ça. Ou ça, c'est une fleur. Non, ça plutôt. Allez, on y est presque. Maintenant, il faut faire triple vol et double charme. Alors, qu'est-ce que je préfère faire? L'avantage, c'est que c'est pas très loin. Qu'est-ce qui me coûte le plus entre le charme et le vol? 4, 3, donc 10, 11. Ouais, ça coûte pas trop cher. On va continuer la concoction. Parfait. Une petite chanterelle obscure pour se mettre d'aplomb. Into petit caillou. Les cailloux, c'est trop bien. Tu as très bien vu, du coup, CP. Point 9. Et toi, tu cuisines des trucs? Et voilà, comme ça. Ah, le triple expérience, là, on peut pas essayer de faire un truc? Genre... Genre avec ça, là. Ah ouais. J'arrive à faire un triple là-dessus? Ouais. Hein. Oh, ça peut être pas mal. C'est bien ça, hein. Oui, c'est bien ça. Hop là. Je cuisine pas, je mange juste. Moi, j'ai mangé déjà, mais... j'ai faim. J'ai encore faim. Tu voles et t'es amoureux. C'est compliqué leur truc. Je suis en manque d'inspiration. Quand tu voles et que t'es amoureux. Mais j'ai déjà utilisé certaines des icônes en fait. Ça fait des petites fleurs et des petits ballons. Voilà. On enregistre la recette. Je finis de touiller pour choper l'XP. Je peux même rajouter de l'eau là. Voilà. Voilà, c'est dilué, c'est homéopathique. Donc ça vient se mettre ici. Hop. Ça, je le range là. On prend l'œuvre jaune. Et on vient le rajouter sur l'étiquette. Les os et têtes de mort, ça fait quelque chose. Ouais, c'est des zones méchantes. Quand tu mets ta potion dessus, en fait, elle se vide. Donc si tu la laisses trop longtemps... Enfin, trop longtemps... Si tu bouges pas la potion, enfin je veux dire, il n'y a pas un timer ou quoi, c'est juste que si elle fait trop de déplacements, voilà, on va dire ça, si elle fait trop de déplacements dans la zone qui est même un petit peu autour, parce qu'en fait, même quand t'es pas complètement dessus, en fait, t'as le bord de ta potion qui est un peu dessus,
Du coup, en fait, ça diminue le liquide qu'il y a dans la potion. Et si t'en as plus, bah c'est raté. Tu retournes au point de départ, tu perds tout. Enfin voilà. Fais une potion contre la faim. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Mais je sais pas trop qu'est-ce que je peux mettre dedans pour aider. Mais ce serait cool en vrai. Et voilà, bravo, on a refait du caillou jaune. On a refait du caillou jaune, bravo. Et là, si j'ai pas trop fait full merde, on n'a plus qu'à faire. C'est où? C'est là. On fait. Hop. Concocter. 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 Il va nous manquer des trucs un peu basiques, genre le triple baise là. Il se trouve là. Concocter. Et là, normalement, c'est ultra smooth. Voilà, tu t'es fait censurer pour moi, guider, je sais pas ce que t'as dit. Il suffit de mettre que des trucs dégueux et c'est bon, ça te coupe l'appétit. Ah, comme ça. Ah bah j'ai quelques champis, je pense, assez peu ragoûtants déjà. C'est une zone de merde. Ouais non, faut pas y aller. Il y a des petites astuces pour les dodges, mais je vais pas trop spoil. Concocter. J'ai pas vu de censure moi. Ouais bah voilà, c'est le chat, il auto-censure pour mes petits yeux d'influenceuse agile. C'est comme ça. Donc ça vient se mettre ici. Et donc là, c'est le bordel. Faut que j'arrive à. Ça, c'est là. Invisibilité 2, hallucination ici. Nécromancie, ralentissement, soin, c'est là. Soin, libido, c'est là. Furie, feu, explosion, c'est là. Feu, lumière, explosion, charme, c'est ici. Ralentissement, merde. Et là, la potion qui tombe par terre, c'est vraiment dommage. Récolte abondante, gel mana. Ok. Potion de soin, lumière, foudre. Ok. Charme, libido, furie. Parce que pourquoi pas. Et il m'en manque une. Non. Il m'en manque une. Donc, double acide, poison feu, je l'ai pas. On est sûr que j'ai pas oublié de cliquer sur un truc. Parce que des fois, je range mal mes recettes. Double acide. Je vérifie que. Oui, non mais non. Attendez, double acide, poison feu. Non, je vérifie juste que je les ai pas déjà faites parce que bon, quand même. C'est que j'aime pas faire des potions, mais j'en suis arrivée à un stade où si je peux éviter de les refaire à chaque fois, c'est bien. Donc il m'en manque une, donc c'est-à-dire que je ne sais pas compter jusqu'à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et celle-là, elle compte pas. Merde. C'est pas celle d'hier avec le chimiste? Si, si, enfin. Effectivement, le chimiste hier nous a abonné sur la chaîne et donc devenu partenaire associé chez Tarryline Associates et nous a créé l'antimonio d'hexafluorure d'hydrogénium. Il lui a donné ce packaging-là. Mais en fait, il faut que je. Surtout que je fasse du double acide poison-feu. Donc il faut que je le refasse à la main en fait. Tant pis, c'est pas grave. Double acide, c'est là. Poison-feu, ouais, bon. Allez, il manque que celle-là. Et normalement, après. Ah, mais non, mais après, il y a toute la pierre philosophale à faire, en fait. Bon, on verra potentiellement, je m'arrêterai juste après ça, en fait. Voilà, j'ai pas encore décidé. Mais comme demain, j'ai ma grosse journée. La plus grosse journée de ma semaine, c'est demain, donc. Et après, il faut être en forme pour prendre l'avion. Jeudi après-midi. Charme Libido Fury, tu pourrais montrer la recette, s'il te plaît, c'est pour un ami. Aïe aïe aïe. Non, c'était juste acide. Non, non, je vous fais.
je vous fais pas customiser des potions complexes. Pourrait, hein, mais pour l'instant, il reste déjà suffisamment de potions basiques, donc s'il vous plaît, vous vous contenterez déjà bien de ça. Si vous êtes sage, que vous êtes un milliard d'abonnés, on verra pour faire un truc. Et ensuite, c'est où? C'est là, hein, donc faut pas trop descendre non plus. On va imaginer un truc qui fait un virage. Ouais, mais on est trop haut. On est trop haut. Donc là, normalement... Je vais le refaire. Oui, parce que quand vous maxez des ingrédients et que vous les remettez dans votre inventaire, ils se reconstituent comme par magie. Là, j'optimise vraiment en mode crevarde qui a que 3 ingrédients qui se battent dans son inventaire alors que j'en ai des millions. Mais pourquoi pas? Est-ce que là, je touche le tourbillon, vous pensez? Chaud, hein. Je vais à Lille en avion et ensuite je prends une voiture de loc pour aller à Bruxelles. Enfin à Bruxelles, en Belgique. Pas vraiment à Bruxelles en fait, je sais pas pourquoi je dis Bruxelles. Je vais en Wallonie. Je vais en Wallonie pour le mariage d'amis de mon mec. Voilà. Tout simplement. Et alors, chose étrange, j'ai demandé, mais visiblement, c'est pas une coutume, mais il se marie un vendredi. Ce qui est assez étrange, enfin, ce qui est assez peu commun. Alors, j'imagine que dans l'absolu, on peut se marier quand on veut, hein, c'est pas ça la question, mais... en général, les mariages, c'est les samedis. Voilà, petite étrangeté du jour. Peut-être qu'avec le Covid et tout, il y a eu masse réservation, masse décalage, et que du coup ils ont pas eu le choix. Après c'est une date qu'ils nous avaient communiqué quasiment en même temps que le Covid, donc... Je sais pas. J'ai raté le poison? Merde. Bien vu. Merci. Bah je vais le refaire. Excusez-moi, je suis plus concentrée. La fatigue est présente. My bad. My bad. Ah ouais, car les mariages, ça fait juste quelques mois que ça a repris. Ah. Et oui. Après, j'imagine qu'on pouvait toujours se marier, genre, à la mairie et tout, mais... Et c'est pas ce qui était... Je crois qu'eux, ils nous font une cérémonie laïque, en plus. En bref, ils font un vrai truc, tu vois. C'est où déjà? Là. Donc cette fois-ci, j'oublie pas de choper le poison. Hein? On fait pas la connerie deux fois. Voilà. Tout va bien. Ensuite, on va à gauche. Un bateau plutôt pour Lille. Voilà. Bruxelles. Et après la quête, c'est la fin des... Après la pierre, c'est la fin des quêtes pour l'instant. Je pense que oui. Enfin, sauf s'il y a un élément... Enfin, si le fait d'avoir la pierre philosophale est un déclencheur. Mais il y a aussi ça, tu vois. Genre, c'est-à-dire que là, ma prochaine étape, c'est de créer la pierre philosophale. Et ensuite, il y a tout ça. Et vraiment, d'habitude, quand on était au chapitre 1, bah, sans faire exprès, tu débloquais les trucs du chapitre 2, donc t'avais un peu de notion de qu'est-ce qui allait se passer. Là, j'ai vraiment rien déclenché particulier. Donc soit c'est un peu la fin du jeu, et il se passera rien ici, ils te diront « Ah bah, faut attendre la suite, MDR ». Soit il va y avoir des trucs que je ne connais pas et que j'ai vraiment... Alors j'évite de me spoil le jeu globalement, je vais pas trop voir les streams des gens, donc ça se trouve c'est connu et pas de problème, tu vois. Mais pour l'instant, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'attend ensuite. Mais vous en faites pas, on a déjà beaucoup à faire avec toutes les recettes de la pierre philosophale déjà, donc...
vous inquiétez pas, on a encore au moins un gros stream, voire deux. Après shot. Ne vous en faites pas. Ouais, mais il faut du niveau 2. Ok, alors attendez. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Non, mais ça c'est de la merde. Ok. J'aurais été très déçue d'arriver au poison 2 et faire alors! Bah alors, pourquoi ça marche pas? Ça aurait été drôle. Je vais être mariée, mais il y avait juste les mariés et les témoins, je pense. Oui, bah voilà. Donc, pas forcément la cérémonie que les gens pourraient espérer. Ceci est tout à fait normal. Mais du coup, effectivement, on a plusieurs fois vérifié, et effectivement, c'est un vendredi. Donc, ça a un côté avantageux dans le sens où bah, on prend un gros week-end exprès, donc on se speed pas trop. En plus, on vient de loin, quoi. De la France. Belgique, bon. C'est pas ça, c'est pas un trajet que je fais tous les jours, vous voyez. Même si l'avion rend la chose quand même très pratique. Hop. Donc il vient se mettre là. Oui, c'est derrière moi probablement, vous voyez pas ce que je fais, je crois. Donc acide, feu, poison, y a pas un truc qui a l'air affreusement radioactif, genre ça. Mais j'ai déjà donné ça, voilà. Très bien. Terminons. J'ai pas touillé pour choper l'expérience, excusez-moi. Et voilà, bravo! Oui, bravo! On a refait de l'œuvre rouge. Le jeu, ouais, il est sorti il y a pas longtemps, genre un mois, je dirais. Et encore, avant ça, il y avait une démo. Et là, il est en accès anticipé, donc toutes les... Toutes les fonctionnalités du jeu ne sont pas encore finites. Donc on peut mettre le cristal ici, bravo. Et maintenant il faut qu'on se tape tout ça. Il faut qu'on se tape tout ça. Comptons, combien il nous faut de recettes déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Ah oui, 11 plus 1 donc, parce qu'il n'y a pas de potions simples, il n'y a que des potions compliquées là. Donc 12. Et j'ai combien d'onglets de libre? 1, 2, 3, 4. Donc dans tous les cas, il va falloir que Gandulf revienne à un moment. Voilà, donc on va pas continuer beaucoup plus là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste terminer la journée, parce qu'il me semble que voilà, on a quelques clients qui nous attendent. On va terminer la journée, aller se coucher, et se laisser là pour aujourd'hui. Pierre, tu as vu le TGV en direct Nice-Lille, non? Genre 6 ou 7 heures facile. Alors déjà, faut aller à Nice. Alors, tu vas me dire, on va déjà à Nice pour aller à l'aéroport, mais j'ai pas envie de taper jusque dans le centre de Nice, parce que l'aéroport, en fait, il est en entrée de Nice, tu vois, donc c'est... Je sais même pas si on va y aller en voiture et laisser la voiture au parking de la gare, parce que ça va coûter une blinde, non? Faut qu'on y aille en taxi, comme des gros richos. Je sais pas. Non, surtout pas. Ah. Prends le bus. Non. Le bus, c'est mort. On prend pas le bus. C'est hors de question. Ce serait trop l'enfer. Non, on va y aller en taxi comme des gros riches. De toute façon, on a déjà dépensé tellement de thunes en billets d'avion et en réservation Airbnb, là, que, bon, on n'est plus à ça près, je pense. Hein. On n'est plus à ça près. C'est comme ça qu'on faisait. Ouais, mais là, le bus, pour nous, c'est pas pratique. On laissait la voiture à côté de Saint-Laurent-du-Var. Oh. On a une chambre d'amis. Oh, c'est gentil. C'est gentil, idée. Pour vrai? Le truc, c'est qu'on a déjà réservé un Airbnb. Je crois que j'ai jusqu'à jeudi, mais ils ont l'air super sympas. Il faut que je me décommande. Après, on n'est pas vers Bruxelles, on est plus vers... je sais plus comment ça s'appelle, mais ça nous ferait un petit peu de trajet de venir. J'ai envie de venir te voir, Guizé, hein, c'est prévu. Rosie, Azab d'ailleurs, quand est-ce que je sais que je suis dispo pour venir te voir, si toi tu es dispo évidemment.
Mais ça va nous faire pas mal de trajets si on reste chez toi en vrai. Je sais pas. Je vais en parler à Monsieur Tarila, on va voir ce qu'il en pense. Merci beaucoup pour la proposition. Je sais pas si elle était sérieuse. Avec toutes les billes que j'ai mis dans ta boîte, t'as même pas les thunes pour le taxi. Si, si, tout à fait. Mais c'est plus que, bah voilà, on est autonome, on a une voiture, le taxi ça coûte cher. Enfin, en général, tu te débrouilles avec ta voiture, tu vois. Genre, le taxi, c'est pas dans ma mentalité de déplacement, tu vois. J'ai dû prendre le taxi genre 3 fois dans ma vie pour te dire, enfin. Voilà. Je veux pénétrer dans une chambre en toute discrétion. La furtivité, ça me connaît, mais la serrure de la porte est capricieuse et je ne puis la faire exploser sans faire de bruit. Pas de soucis, monsieur. Petite potion d'acide. Pardon, excusez-moi. D'antimonio hexafluorure d'hydrogénium saura vous satisfaire. Saviez-vous qu'il s'agit du vrai nom de l'acide qui est réputé comme étant le plus fort du monde? Il peut dissoudre du verre, je crois. Un petit point de talent au passage, qu'on ne peut pas dépenser car ça coûte trop cher. Dis-moi où tu es, par contre, Lys a une bronchite. J'y réfléchis seulement. Ouais, c'est pas glop la bronchite, Bichette, elle va peut-être avoir envie de se reposer. Je dois descendre une montagne avec hâte et en ressortir indemne. Oui, une potion de vol. Comme ça, tu vas raquer. Ouais, c'est 840 balles la potion. Le commerce se porte très bien, chers associés, comme vous pouvez le voir. Nous nous adonnons à des expérimentations incroyables, tout en augmentant finalement la banque. Hein, je sais plus comment on dit. La caisse. La. Il y a un mot juridique pour ça, je sais plus. J'ai besoin d'une potion qui octroie des pouvoirs magiques. Basique. Simple. Vous n'avez pas les bases. Moi, je suis quelqu'un d'économique pour les voyages. Par contre, ça peut être long. J'y vais en Gova. C'est quoi Gova? Ah, par les routes de campagne. Monsieur Champy, bonjour! Tu me vaux l'honneur. Allez, hop! Je peux tellement tout acheter, c'est bon, j'ai ma partie, elle est bien, là. Genre, j'ai plus à réfléchir, hein. On est riche, hein. Je regarde plus les prix quand je fais les courses, hein. Voilà, hop. C'est incroyable. Voga, Gova voiture, Wago en verlan. Ah ouais! Non, par contre, non, je fais pas sud de la France, Belgique en voiture. Déjà que Monsieur Tarila il râle quand on doit aller péter chez les parents, que ça fait 3 heures de trajet, on va pas aller en Belgique. Hein. Lui aussi veut crocheter une serrure avec de l'antimonio hexafluorure d'hydrogénium. Je vous dis, c'est un produit qui marche vachement bien. Non mais attends, je vais pas me taper 11 heures de bagnole quand je peux me taper 1h30 d'avion et 1h30 de bagnole, tu vois. Je voudrais une potion de feu que je pourrais jeter dans un repère de monstres. Tout à fait. Nous avons ceci dans sa version pipi parfum. Voilà, donc ça vous permet de doser de manière très précise la quantité de feu dont vous avez besoin. Et ça ira très bien dans votre sac à main de guerrier. Fraser, il est pas content? Non, mais en fait, c'est pas... Comment dire? C'est vraiment le fait de perdre du temps. En fait, tu passes 3 heures à rien faire, tu vois. Genre, t'es assis, tu dois faire attention. Enfin, c'est chiant, tu vois. C'est pas 3 heures agréables. Mais en suivant, on a dû assurer un déménagement Allemagne-Sud de la France en voiture à 10 heures de trajet avec déjà... Enfin, je pense qu'on a assez bouffé de route dans notre vie avec tous les déménagements qu'on s'est tapés récemment en voiture. C'est bon quoi. Tranquille, en vrai gros, j'ai fait à l'aller j'ai fait moitié du trajet. Mister Tarila a fait l'autre moitié. On a voyagé de nuit, genre on est parti à 23h, on est arrivé... non pas 23h. On est parti à 3h du matin pour 13h. On a fait des visites l'après-midi et on est reparti direct après. Il a commencé, il a fait toute l'Italie. Arrivé en Suisse, il faisait nuit déjà. J'ai fait 1 heure, gros. C'était horrible. Vraiment, je m'endormais au volant. Alors, c'était des routes suisses, il n'y avait personne là où on était. Mais vraiment, genre, je m'endormais. Et c'était terrifiant parce que je voyais que je ne m'en rendais pas compte. Du coup, je lui ai rendu le volant. Il avait dormi 1 heure et il a fait tout le reste, genre, aucun problème, tu vois.
Genre, on a fait une courte nuit sur une aire d'autoroute italienne, quoi, pour vous dire. Il a fallu que je m'arrête deux fois pour faire le plein. Nous, ça va. On est bien géré. 3 heures d'avion, t'as oublié le check-in. Oui, ouais. Ouais. C'est une aventure de voyager en voiture. En avion, il se passe jamais rien, ou alors t'es mort. Alors après, pour ce que ça vaut, il se trouve qu'on a pris l'avion seulement. Alors du coup, deux fois, parce que t'as un aller-retour, mais seulement une fois dans notre vie, chacun. Donc je vous avoue que, en termes de d'empreinte écologique, je pense que par rapport à d'autres personnes, on a encore un petit peu de crédit à dépenser. Donc si on peut vraiment se faciliter la vie et le faire en avion, pour une fois, parce qu'on fait tout en voiture sinon, hein. D'habitude, pour aller voir la famille, on monte en voiture et tout, c'est dans le nord de la France, c'est chiant. Mais en général, on reste 2 semaines, tu vois, alors que là, on fait un peu moins de 4 jours. C'est chiant, tu vois. Non, mais Gaston, t'arriveras pas à le raisonner, Arthurus, hein. T'arriveras pas à le raisonner sur la conduite. C'est son métier, de toute façon, donc. L'avion, les douanes, le check-in, l'embarquement au secours. Bah après, je sais pas si c'est dans tous les tous les aéroports pareils, mais en vrai, le souvenir que j'en ai, c'était pas si long. Hein. C'était pas si long. J'ai même failli rater mon premier vol en avion, on est arrivé un petit peu just. Et on n'avait pas attendu si longtemps en fait. Nice est plutôt bien pour ça. Bah, et je trouve que oui. Et le premier trajet que j'avais fait, c'était un Nice-Amsterdam aller-retour. C'est de l'inter, donc ça devrait aller. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Il me faut une fiole d'acide. Oui, alors, regardez l'acide. Oh là là, c'était vraiment l'investissement de du stream d'hier. Hein. Tout le monde se l'arrache. Et là, le mec, il essaie pas de me vendre une histoire bizarre. Hein. Le mec, il veut de l'acide, quoi. Aucun problème, aucune justification. Une petite fée placebo. Attendez, je peux pas négocier et vous lire en même temps. Je sais que je suis genre un PGM à ce jeu. Et je ne suis pas encore une déesse. J'ai pas acquis ce skill encore. Le plus que j'ai fait en voiture, c'est 8 heures avec deux pauses. Mais je me sentais vraiment mal après. Tu dois savoir ce que tu fais. Ouais, alors pour le coup, 8 heures de voiture, je peux le faire. En fait, ça dépend. En fait, ce qui était chiant sur le trajet Allemagne-Nice, c'est qu'on était vraiment pressé par le temps et stressé parce qu'en fait, en gros, on quittait un endroit, fallait absolument se loger, il y avait les chats à gérer, notre taf et tout. C'était vraiment un peu la panique. On a fini, hein. Oui. Ok. S'arrêter là, du coup. Je vais bientôt couper. Parlons peut-être 2-3 minutes avant de. J'y aille. Partie sauvegardée. Je sauvegarde la partie, donc du coup, prochaine fois, on fait de la pierre philosophale à balles. C'est vraiment genre la seule chose qui nous reste à faire.